Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme t'as pu le constater, nous venons d'assister à un match entre deux grandes nations africaines, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On connaît, on sait tous qui est sorti du Cameroun. Samuel Eto'o. Voilà. Donc le mec, il a absolument tout gagné, à part la Coupe du Monde, mais sinon, il a absolument tout gagné. C'est pareil du côté de la Côte d'Ivoire, ils ont aussi sorti des grands joueurs, Yaya Touré, Didier Drogba, oh là là, Didier Drogba, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné, à part la Coupe du Monde? Bon bref, c'est le même problème pour tous les Africains, on va pas se mentir. Nous, on n'a jamais goûté à ce que c'est de soulever une Coupe du Monde. Mais bon, peut-être que la Coupe du Monde 2022, c'est quelque chose qu'on... Oh, but de Benzema, oh là là, mais lui, il veut pas s'arrêter, hein. Lui, là, c'est un malade mental. Mais bon, bref, là, on continue sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Franchement, je vais être sec, hein. Je vais pas être gentil, là, sur cette vidéo. Parce que moi, là, je me suis dit, là, c'est Cameroun contre la Côte d'Ivoire. C'est obligé, je regarde ce match. Ces deux grandes nations, ces deux grandes équipes qui ont une histoire, qui ont des trophées en termes de Coupe d'Afrique et tout, nanana. Ces deux équipes qui peuvent se valoir. On peut dire qu'ils sont un petit peu des rivaux. Et quand je mets le match, même trois passes, ils n'arrivent pas à faire. Déjà, j'ai rien compris à comment les Ivoiriens y jouaient. C'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait aucun système de jeu. Il n'y avait, avait rien. Personne ne pouvait faire des passes. Il n'y avait que Kessier qui essayait d'orienter le jeu. Mais sinon, là, les attaquants, nada, zéro. Je sais qu'il y en a plein, là. Les Ivoiriens, ils vont commencer à insulter Sébastien Haller. Ouais, toi, tu ne vaux rien. Si ce n'est pas en Europe, en Afrique, tu es là, tu ne vaux rien. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Hein, Sébastien Haller, il a reçu aucun bon ballon pour marquer, aucun centre. Il a rien eu. On lui fait des passes comme s'il jouait comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. J'ai rien compris à comment les Ivoiriens y jouaient. On aurait dit qu'il donnait le ballon à Haller. Vas-y, tiens, frère, fais comme tu fais à l'Ajax là, quand tu mets les buts là. Hein, quand tu mets les buts là, quand tu fais les trucs techniques là et tu mets les buts et puis tu célèbres de façon, c'était facile là. Fais ça encore. Hein, et puis voilà, ça n'a pas marché. Ben oui, parce qu'il faut quoi? Un plan de jeu, messieurs. C'est bien beau d'aller se faire des coupes, des teintures blondes, des teintures rouges, des locks, des je sais pas quoi. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est du grand n'importe quoi. J'étais vraiment choqué, limite énervé, alors que je suis pas ivoirien. Hein? Les Camerounais ont réalisé un bon jeu calme. Ils ont bien piégé les Ivoiriens. Ils les ont laissés venir et ils les ont pris en contre. C'est ce qui s'est passé. Le numéro 10 là, du Cameroun, là. Oh, il a mis des petits ponts par là, par-ci. Il vous a fait du grand n'importe quoi. Ce qu'il vous a fait aujourd'hui, c'est qu'il vous a cuisiné à loco, à tchéqué, foufou, tout. Vous vous êtes assis. Eh, on va bien manger. Oh, on va manger. Alors que les Camerounais, ils étaient là pour marquer. Vous comprenez rien au football, là, aujourd'hui, les Ivoiriens. Je comprends pas. Vous avez des joueurs de classe mondiale. Et c'est comme ça que vous jouez. Hein? Tu sais que là, comment vous avez joué ce soir? Si vous jouez comme ça contre Saint-Etienne, vous perdez, hein? Attention, hein? Hein? Vous, là, les Ivoiriens, vous aimez bien vous moquer du Mali, non? Hein? Les Maliens, on est bêtes, là, là, là. Eh, le Mali est qualifié pour les barrages, hein? Je sais que vous allez commencer à dire que, voilà, je commence à parler, je commence à dire n'importe quoi. Je sais que vous allez m'insulter, vous allez parler de mes cheveux, vous allez parler de tout. Hein, les Ivoiriens? Yako, comme on dit chez vous, Yako. Y a pas l'homme, tu vois? Y a pas l'homme pour vous. Les éléphants, là, hein? Aujourd'hui, là, c'était pas éléphant d'Afrique, hein? C'était éléphant indien, avec des habits, tout ça. Il vient, il dit, il est beau. Et puis quand on lui dit, bon, lave-toi tout seul, il n'arrive pas. Parce que l'éléphant indien, c'est les hommes qui le lavent. Il sait rien faire. Même banane, là, on met ça dans sa bouche. Il sait rien faire. Nous, on voulait voir des éléphants d'Afrique. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Éléphant qui court devant un lion.